Quelles sont les valeurs civiques et citoyennes à mettre en pratique pour la bonne marche de la société? La réponse semble évidente, mais dans la pratique, ce n'est pas très souvent le cas. Former les hommes de médias, plus spécialement ceux de la radio pour qu'ils transmettent ces valeurs aux populations, c'est l'idée qu'a eue la direction départementale de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs du district d'Abidjan. Et les bénéficiaires de la formation en sont particulièrement satisfaits. La formation de ce jour porte sur les valeurs civiques et morales. Et comme nous sommes dans le domaine de la radio, nous pensons qu'arriver dans notre radio, nous allons profiter aussi de cette formation pour, je vais dire, donner un peu plus à la population, à tous ceux qui nous écoutent dans nos différentes émissions. Je pense que nous allons prendre, je vais dire, un temps d'antenne bien défini pour pouvoir expliquer tout ce que nous avons reçu à nos populations et nos auditeurs. Personnellement, je crois que ça va m'apporter non seulement un plus, parce que par moments, j'oublie certaines valeurs. Et en plus de moi, je crois que ça va me permettre de mener bien mes reportages et puis mes activités sur le terrain. Ce sont environ 25 journalistes de 20 radios de proximité du district d'Abidjan qui ont vu renforcer leurs capacités en matière de vulgarisation des valeurs civiques et citoyennes auprès du public. Payer ses impôts, préserver les biens et les deniers publics, respecter et faire respecter les lois et les règles en vigueur sont entre autres notions de base inculquées lors de cette formation.